sur le journal tricot numéro 10 de Christelle au fil des aiguilles. Christelle au fil des aiguilles, c'est moi. Vous pouvez me retrouver sur YouTube et Instagram avec le même pseudo. Et sur Ravelry, au fil des aiguilles. J'ai vraiment du mal, il va falloir que je change ce pseudo-là sur Ravelry. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je suis contente de vos partages, de vos cœurs, de vos pouces pour faire évoluer ce journal tricot. Je me présente pour les nouveaux. Je suis Christelle, je suis ardennaise, Charles de Mézières. J'ai 48 ans, je suis maman de 4 enfants, de très très grands amis. Voilà, il est prêt à nous. Encore un petit coup de ciseaux. Mais j'arrête, hein, c'est bon. Je laisse des bébés aux copines et plus jeunes que vous. Vous êtes sur le journal tricot qui parle de tricot essentiellement, mais de temps en temps vous aurez peut-être un moment comme ça, de lecture ou tout autre loisir créatif d'art de fil, c'est-à-dire que je peux très bien vous montrer des broderies, comme je peux vous montrer du patch, comme je peux vous montrer Germaine habillée avec des nouvelles coutures. Mais ça, c'est des périodes. Voilà, c'est des périodes. Et bien souvent, c'est vrai que c'est l'été, parce que les tricots, c'est un peu chaud. Hein. Donc, quand on a ça sur les genoux, hormis, bon, maintenant, il y a le tencel, il y a le lin et tout, c'est quand même plus agréable à tricoter. Mais avant, on n'avait que la laine, c'était très très chaud, donc l'été, je faisais plus des petites broderies au soleil, la lecture, et puis un peu de couture, voilà. Donc, ça y est, je me suis présentée, hein. De temps en temps, je vous mets quelques petites vidéos de mes Ardennes, puisque je les trouve très jolies, il y a des belles balades, il y a des beaux endroits à les visiter, et pourquoi pas vous donner l'idée de venir nous voir dans les Ardennes, voilà. Alors, on est dimanche, je ne suis pas venue vendredi pour vous poster ce journal normalement aujourd'hui. J'ai eu des petits soucis de santé, rien de grave, hein, des migraines et la cause est une petite dent un peu chatouilleuse. Et du coup, comme moi j'ai des soucis avec des névragies, je ne sens pas spécialement, j'ai une douleur, mais je ne peux pas dire si c'est la dent ou si c'est mes nerfs. Donc, résultat. Quand il y a des choses comme ça, des migraines ou autres, je passe par le dentiste et l'oculiste, puisque bien souvent, c'est lié. Mais tout va bien. Je vais bien. Donc, voilà, plein de rendez-vous, plein de choses qui font que je n'ai pas pu venir. Mais alors, j'ai une castanite aiguë. Je ne vous dis que ça. Vous allez voir, c'est... D'ailleurs, j'ai encore envie de monter plein de choses, mais je crois que j'ai plus assez d'aiguilles. Mais bon, c'est pas grave. On va partir sur tout ce bazar-là, hein, parce que mine de rien, je sais pas si vous avez vu en amont de la vidéo, il y avait quand même pas mal de trucs sur la table. J'en ai encore en dessous. Donc, je porte. Ah bah oui, je vais déjà vous dire ce que je porte, parce que chez nous aujourd'hui, bon, il fait pas super beau, hein, c'est pas soleil, on n'a pas 24 degrés, mais... Il brunasse un petit peu et voyez, on doit être à 16-17 degrés, donc c'est sympa. Donc je porte tout rose de Atelier Émilie, qui l'a sorti il y a une paire d'années quand même. Donc je les ai fait dans les laines de By Night, c'est son petit moucheté là, j'aime bien. Et ça je les ai eu, alors ça devait être en 2018 que je les ai eu. Au premier CSF, je suis montée exprès à Paris pour voir Stéphanie de Heidi, qui n'existe plus maintenant, mais qui était ardennaise, donc j'étais toute fière d'aller la voir, voilà. Et By Night, pour moi, c'était pareil, j'avais vraiment envie de la voir. Donc, puis j'étais toute timide à l'époque, parce que c'était mes premiers tricots et tout, je n'osais pas aller voir la personne, donc j'ai pris, j'ai acheté, puis j'en ai pas, voilà. Donc je me suis fait, et puis j'ai pas eu assez les chevaux, donc du coup, je me suis fait des petites manches courtes, donc j'ai fait un petit top d'été. Je me lève. Donc quand je me lève, je ne parle plus. Donc petit top d'été avec un point de dentelle qui est facile à retenir, hein, et c'est surtout le long devant et derrière. Un col bateau, des mailles torses. Alors vous voyez, hein, c'était vraiment dans mes débuts de circulaire, relever les mailles, c'était pas jojo, hein. Mais bon, il est normal, on débute les circulaires, on apprend plein de choses. Voilà, tout rose Atelier Émilie, je vous mettrai une photo, elle l'a fait avec des manches longues et il est très beau aussi.
Mila est sortie. Mila est sortie. Voilà. Et je l'adore. Vous avez dû voir des... Enfin, pour ceux qui sont sur Instagram, je vous en mettrai une là parce que tout le monde n'est pas sur Insta. Vous avez dû voir qu'il était très, 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 très large. Allez, je vous le passe au-dessus. De toute façon, je peux vous passer au-dessus de ça. J'ai juste enlevé mes lunettes. Je vais vous montrer quand même. Hein, vous voyez, déjà les manches, c'est large. Hein. Mais c'est moi, hein, je l'ai voulu comme ça. Je sais que Caro Folies, elle aurait mieux aimé faire la taille en dessous parce qu'elle le trouve large pour elle aussi. Mais moi, c'est ce que je voulais. Je me lève. Vous voyez, hein, on en met deux comme moi hein, dedans. Mais alors, voilà, c'est ça. Moi, c'est. Je rentre, je mets ça sur moi, mon survêt est tranquille, pyjama, enfin voilà, dans la télé. On est bien dedans. C'est pas pour sortir, hein, c'est vraiment pour. Ou aller dehors quand y a un peu de jardinage à faire et qu'il fait, y a un petit vent. Mais ça, c'est super agréable. Donc, je les ai tricotés en langue yarn. Je vais remettre mes lunettes parce que je me vois pas, donc je. Voilà. Et là, je vous vois mieux. Enfin, je me vois mieux, pardon. En longue yarn, Enya, coloris rose et vert. Hein. Donc, alors, le col, il est fait après. Donc, on démarre par le dos. On a un montage de manches marteau, du coup. Hein. Ce qui fait que quand on reprend, enfin, on va jusque là, à peu près. Hein. Donc, les manches sont relativement courtes. Il y a quelques diminutions sur les manches. On revient c'est un système de manches marteau, donc voilà, hein, devant au fur et à mesure, ça devant et le dos, ça augmente. Moi, je me suis permis de faire le col dès que j'avais fini la première pelote de rose, là, parce que pour l'essayage et tout, et puis les filles, elles disaient, ah là là, c'était fort large et tout, donc on a toutes fait le col, et puis chacune a resserré avec l'accord de Cécile le col qu'elle avait envie de faire, donc voilà, bref. Et vous avez un super jacquard avec des fleurs. Alors moi, je trouve que ça ressemble à des fleurs de primevère. D'ailleurs, les photos que j'ai faites, j'avais des primevères à mettre dans le jardin et j'ai fait la pose avec mes fleurs. J'aurais dû penser à prendre la petite pelle pour faire les... Voilà, mais bon, c'est pas grave. Voilà, des petites fleurs de primevère sur chaque manche et sur le bas du corps, le dos et le devant. Et sur le côté, vous avez un petit jeu de mailles. C'est une maille en droit, une maille en vert. Sur le deuxième tour, c'est tout à l'endroit. Donc, voilà. Un peu des côtes brisées, c'est ça? Et jusqu'en bas, et on fait le petit rappel sur le bas du corps et le bas des manches. Voilà! Un projet de fini, alors qui rentre dans le mois de mars. Je vous avais dit, hein, je comptabilise tous les projets que j'ai réellement finis et qui sont sortis pour savoir le nombre de grammes que j'ai fait à la fin de l'année, je calculerai tout le grammage et ça fera tant de mètres. Donc j'ai utilisé en tout pour le pull Mila 528 grammes. Voilà, les verveines, je les ai rentrées aussi, les chaussettes verveines que je vous ai montrées il y a 15 jours, c'est pas la semaine dernière, c'est il y a 15 jours, 48 grammes. Voilà, donc en tout pour le mois de mars, j'ai tricoté 576 grammes en sachant que j'ai quand même des projets qui sont finis, mais comme ils ne sont pas sortis, je ne les rentre pas dans le mois de mars, puisqu'ils sortent qu'au mois d'avril, il y en a un qui sort qu'au mois de mai, donc voilà, ça ne sert à rien de les mettre au mois de mars, je ne peux pas vous les montrer. Mais en fin d'année, ils seront quand même comptabilisés. Voilà, donc ma petite fiche technique a été faite sur Ravelry, je l'ai fait sur mon petit cahier. Donc c'est des aiguilles, moi j'ai tricoté en 3,5, 4,5, normalement ils se tricotent en 5, 5,5 je crois. Mais bon, moi j'avais pas le bon échantillon, je suis assez fière de mon jacquard, j'ai fait la technique préconisée par Cécile avec l'échelle, voilà. Donc sur ma fiche j'ai marqué à refaire, plus jamais, été ou hiver, alors donc c'est pour l'hiver. Alors ça, après, ça dépend ce qu'on utilise comme laine ou comme fibre, mais bon, voilà, moi c'est pour l'hiver, j'ai dit. À refaire, non,
parce que j'en ai un et ça me suffit. Donc j'ai marqué plus jamais. Appréciation, j'ai vraiment mis le petit bonhomme content, malgré que c'était très long parce que c'était pas ma taille de prédilection, puisque moi je fais un 38-40, voire un M. Là c'était L, donc j'ai trouvé ça très très long. Donc je comprends les filles qui ont besoin de beaucoup d'échos et que voilà, ils ont besoin de plus de temps que nous. Et encore, je l'ai réalisé dans les temps. Voilà, donc il se commence par le col, j'ai fait un rabat à l'italienne, le jacquard, voilà. Donc il part dans le mois de mars. Les chaussettes verveines, je vous les ai montrées, donc tout est bon. Tout est bon. Nous allons partir sur le châle qui me reste vraiment, que vous voyez en permanence. J'ai cru qu'elle était tombée. Eh bien non, elle n'est pas tombée. Ça fait rire beaucoup hein, que je fais tomber toujours quelque chose. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, je suis gauche. Mister Aquarius, je vais connaître par cœur, hein, j'avais plus besoin d'avoir ma fiche. Et Miss Purple, voilà, de chez Laine de Mout. C'est le châle un été en Bretagne que je teste pour même les anges tricotes, Laetitia. Alors elle a fini son deuxième, elle fait toujours un prototype, elle retricote une deuxième fois apparemment, vu ce que j'ai compris dans ses podcasts. Moi je ne le ferai qu'une fois, et je vous avais dit, c'est ma première brioche. Alors on commence par le haut, il y a un jeu de triangles, après des chevrons, encore des triangles et des triangles, et regardez, ma brioche, je suis fière de moi parce que je n'avais jamais, jamais fait de brioche. J'ai une copine au tricoté qui nous avait montré un petit peu la mise en place et tout. Et puis on a laissé tomber, j'ai laissé tomber une autre copine aussi parce qu'elle nous avait montré à toutes. Puis j'ai dit, oh, je ferai plus tard. Et je devais faire avec elle le brioche Alicius, je crois. J'avais commencé, puis ça m'a gonflé, je l'ai posé. Et puis eh ben, ils sont toujours avec les aiguilles dessus. Et là, en demandant le test à Laetitia, je croyais que c'était des côtes anglaises. Et quand j'ai lu le patron, j'ai dit, oh mince, c'est de la brioche. Eh ben, j'ai dit, allez, c'est l'occasion qui fait le larron. Ben, tu vas apprendre. Donc, du coup, alors, il va y avoir certainement une ou deux heures. Ben là, il y en a une déjà, vous voyez. Le fil, il ne devrait pas être là, il devrait être de l'autre côté. Eh bien, c'est pas grave, c'est mon début, c'est ma première brioche. Je me dis, il y a une erreur sur toute la totalité de la brioche, ça va. Alors, je prends mon temps. Hein. J'avoue que là, c'est vraiment... je fais deux allées et deux retours, et j'arrête. De toute façon, avec les enfants, il me faut vraiment du calme, pas de télé. Il ne faut pas que je lève les yeux à regarder Christelle rêver sa vie en couleur ou démailler moi, parce que sinon, là, je suis perdue. Donc ça, les podcasts, je fais autre chose. Et puis ça, je suis là, tranquille. Je mets un fond de musique et voilà, on n'en parle plus. Il me reste pas grand-chose. Hein. Il me reste encore deux fois à faire. Et après, il y a un rabat. Voilà. De toute façon, elle m'a dit d'aller où qu'il reste tant de grammes. Et après, on arrête. Donc, je ferai... Bon, on n'est pas urgent. Il est pour le mois de juin. Donc, j'adore la brioche. Du coup, je suis tentée par plein de projets en brioche. D'ailleurs, il y a la Miss Nita, elle a fait une balade en Écosse, là où il y a de la brioche. Oh là, il est trop beau. Il déchire son truc. Je suis emmenée dans les filles. Enfin, je regarderai ça plus tard. Enfin, bref, il déchire et j'ai marqué je le veux. Donc, je le ferai certainement. D'ailleurs, j'ai le patron, donc je le ferai certainement. Donc, voilà, celui-là, il avance tranquille. Donc, c'est encore un projet que vous verrez certainement la semaine prochaine. Mais bon, vous ne me dites rien, c'est que vous aimez bien. Ok, on est parti sur 1, 2, 3, 4 tests. Ah oui, castagnite aiguë. Alors, on va commencer par la Casaron. Je l'ai là et que j'étais dessus. Vous avez vu, c'est son... Elle appelle ça un châle, mais moi j'ai plus une étole. Alors la sienne est grande, il y a une copine qui m'a montré la sienne, elle fait 1,20 m. Donc j'espère que la mienne sera un peu plus grande. Je les tricote dans la laine de Ars Natura. Sabine, c'est ça. Ars Natura en single. C'est ça, single, 20 janvier 2024. Panda Sakura. Voilà.
Je vous montre ça dans mon petit pochon que une de mes copines pour mon anniversaire m'a cousu avec deux séparateurs pour mettre les cakes. Donc c'est pratique quand on fait du jacquard ou parce qu'on peut mettre un là, mais on peut en mettre un là et un là. Et il y a une petite poche pour mettre. Non, il n'y a pas de petite poche. Donc on peut mettre quand on fait du jacquard une ici, et une ici. C'est ingénieux, hein, c'est sympa, c'est ma fille, c'est un beau petit sac. Donc voilà, donc je les tricote. Je tricote le châle avec cette beauté. Et c'est de la single. J'adore la single pour les châles. C'est doux, c'est un aspect. Déjà, c'est pas toujours régulier. Elle frisote un peu. Et c'est un aspect un peu poilu. Voilà, si vous voyez pas. Mais bon, elle frisote un peu. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je tricote le macharon de la case avant. C'est un test qui n'est pas secret du tout. Voilà, donc ça c'est la première section. Je vais faire cet après-midi la deuxième section. Vous voyez, il y a le petit papillon. Voilà. Alors, ce n'est pas des nopes. Pour ceux qui n'aiment pas les nopes, je le dis, ce n'est pas une nope. C'est vraiment un petit jeu de mailles endroit en vert qui fait qu'on a l'impression d'avoir une bouboule là, une là, une là. Sur les ailes du papillon. Vous savez, quand sur les papillons, on a toujours un œil en haut de chaque aile, et bien là, ça fait le même effet. Donc, ça se tricote normalement en 4,5. Moi, je tricote en 4. Parce que je n'ai pas voulu mélanger, dénaturer la laine de Ars Natura. Elle se suffit à elle-même. J'aurais mis un mohair, on aurait. Ça aurait un peu estompé les taches. Noir et tout, mais on aurait. Je pense qu'on n'aurait pas vu le dessin plus que ça, vous voyez. Mais j'adore. Donc celui-là, il va tranquille. Je fais section par section. Alors il y a une, deux, trois. Il y a A, B, C, D, E, F. Il y a six sections. Voilà. Donc ça part en pointe. On fait des augmentations X rang. On va refaire des augmentations pour la section B un peu plus rapide. Et après, on va aller tout droit. Et après, on diminue. Voilà. Bon, moi, je fais pas par le biais du diagramme. Je fais ligne par ligne pour voir s'il y a des erreurs. Pour une fois, je fais ligne par ligne pour voir s'il y a des erreurs. Puis, parce que mon coup fonce sur le diagramme, mais il y a des personnes qui aiment vraiment. Et moi, sur tablette, je trouve que ligne par ligne, ça passe bien. Et je me dis, au moins, il y en a qui font avec le diagramme. Ils voient les erreurs du diagramme. Et nous, on voit les erreurs. On voit si ça correspond au niveau des erreurs du texte. Ou s'il y a des erreurs du texte, est-ce qu'il y a eu des erreurs sur le diagramme. Enfin, bref. C'est pas bien compliqué. Et voilà. Deuxième test. Vous avez dû voir, c'est pareil. Hein, c'est pas secret non plus. Donc, je peux la montrer. Vous avez dû voir sur passer sur Instagram. Je ne sais pas si elle continue à faire des podcasts. Mélina, In the Panda World, elle a fait un appel au test pour des chaussettes. Elle a fait là un appel au test pour un pull. Et je crois qu'elle va faire un appel au test pour le châle dans le même point. Je crois. À peu près. Je ne suis plus très sûre. Moi, j'ai accepté l'appel au test pour les chaussettes. Donc, il faut que je la finisse. Pareil, je vais essayer de la finir un petit peu en fin d'après-midi. Je suis dans le talon. Je les tricote dans la madeleine, couleur rose monde. C'est des kits que je me suis offert l'année dernière. Donc, ça doit être tous les deux mois. Sur une année, elle envoyait un kit avec un écheveau de 100 grammes avec son mini. On choisissait si on la voulait en mérino, si on voulait avec des paillettes ou tout ça. Et moi, j'ai toujours pris avec des paillettes. J'aime bien les paillettes. J'ai pas de Kevin, j'ai un Thomas dans la vie, mais j'aime les paillettes. Voilà. Alors, ça, c'est le contrastant. Donc, Mélina, elle le fait sans contrastant. Nous, on lui a demandé si on pouvait. Elle nous a dit oui. Alors, moi, je fais le contrastant pointe et cheville. Je ne fais pas le contrastant talon parce que c'est un talon, un rang renforcé avec un jeu de rang raccourci. Donc, j'ai pas envie encore d'avoir des fils dans tous les sens. J'aurais déjà un fil en bas et un fil en haut à rentrer. Ça me va très bien. Et ma couleur principale, c'est celui-ci. Donc, c'est un rosé beige avec des lignes un peu plus foncées. Je vais vous montrer la chaussette, parce que j'ai bien avancé. Voilà. Avec le point.
Je vous dis, c'est pas secret, hein, donc je peux vous montrer le point. C'est un jeu de mailles, de jetée, de rattrapage de mailles. Enfin bref, il va super bien. Et alors, il a un beau relief de rose. Et on retrouve le marron ici. Donc là, ben, je suis dans les augmentations du talon et gousset. Alors, chez Mélina, vous le savez, je pense que beaucoup savent, elle fait la morpho. Donc, mais elle fait la morpho aussi sur les pieds. Voilà, et ben je me dis, c'est ce que je disais à ma copine hier, là, Nat, je lui dis, je pense que c'est sympa, parce que moi je fais du 39, et sur la règle, on dit à 39, de la pointe au talon, vous devez vous arrêter pour faire le talon à 19,5. Déjà moi, 19,5, c'est trop grand. Donc j'avais déjà redescendu à 19. Ça dépend de la matière, mais c'était encore un peu trop long. Et du coup, elle nous fait faire un calcul. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Il y a une feuille, vraiment. Le patron, il sera fait comme ça, avec une super feuille. Et on doit calculer et mesurer son coup de pied. Elle précise bien de quel endroit à quel endroit il faut mesurer son coup de pied. Il y a un calcul à faire. Et du coup, moi, d'ici à ici, j'ai plus 19,5. J'ai plus 19. J'ai 17. Donc, j'essaye. On verra. Et apparemment, toutes celles qui ont déjà fait la chaussette disent que c'est nickel, que c'est pile poil, le coup de pied passe, et donc c'est un calcul. Alors, je vais pas vous forcer à acheter le patron pour avoir la feuille de calcul, mais je pense que ce serait très utile, parce qu'on croit que c'est... En fait, la règle, elle est pour un pied standard, et tout le monde ne fait pas 19 cm de la pointe à ici. Même en 39. Après, moi, je sais que mes baskets sport, je prends du 39,5. Donc, vous voyez, Et sur certaines chaussures, je me suis déjà arrivée à acheter qu'un 39 était trop grand. Il me fallait un 38, 38,5. Donc, c'est comme les chaussures, les chaussettes. On n'est pas... Et puis, suivant comment on tricote, la souplesse, tout ça, je pense que... moi, je suis vachement détendue, donc... mon point est propre, hein, il est régulier et tout. Je tricote toujours en circulaire, en mini-circulaire de Chagou, régulière, hein, pas une plus grande ni une plus petite, vraiment les deux pareils. Donc je pense que, voilà, je me suis fort détendue de la chaussette. Donc j'ai peut-être changé, hein, j'ai peut-être passé sur du... Là c'est du 2,25, j'ai peut-être passé sur du 2, et puis garder le 2,25 pour le jacquard. Donc on verra. Donc j'ai ça à finir. Il nous reste 15 jours. Bon, bah, ça va. Le point va relativement vite. Il est très compréhensible. Elle a fait même une vidéo pour expliquer le point. Donc, un patron au top. Voilà. Donc, Mélina, in the Panda World. Deuxième. Troisième. Je les ai en bas parce qu'en fait, hier, je n'ai pas pu filmer. Ça, je voulais filmer aussi. Mais hier, nous avons été en réunion avec les copines dans le Nord pour les non or. Voilà, quelques petits débriefs, les petites annotations, les petits trucs, certaines, mais on a rajouté ou pas, parce qu'on avait oublié, et que voilà, il faut, hein, il y a des réunions, il y a des assemblées générales et tout ça, pour les repas, pour plein de choses. Donc je n'ai pas pu tourner hier, mais j'ai pris mes tricots, parce que comme je me faisais conduire, et j'avais pas envie, même si on discute, qu'on papote, j'ai dit je vais prendre quand même deux tricots. Alors j'avais dit j'en ferai un à l'aller et un au retour, et en fait j'en ai fait qu'à l'aller et au retour on a tellement discuté que je n'ai pas tricoté du tout. Donc j'avais pris une réédition de Jean-Lise, elle fait une réédition de son châle coquillage. Je vous mettrai la photo là parce que sur ma tablette il est tout brouillon, il est pas beau, je pense que c'est la résolution des fichiers. Donc voilà, je vous le mettrai là en photo si j'y pense. C'est un châle qui est composé d'un point torse et de la dentelle. Donc on choisit deux couleurs, on peut le faire en unique je pense, mais moi j'ai choisi deux couleurs. J'ai pris, alors je vais vous montrer ce que c'est. J'ai pris un bigou de chez Teinture à laine. Voilà, que vous retrouverez en laine en or. J'adore ces couleurs. Mélanie, elle a des couleurs très, très franches et tout. C'est très, très beau. J'adore. D'ailleurs, elle fait un bleu morpho. J'avais fait un pull, un test pour Aurélie Lapoule. Et j'avais pris son bleu couleur morpho. Il est magnifique.
Voilà, teinture à laine, coloris Bigou. Alors, ben, c'est juste Bigou, hein. Je ne peux pas vous donner le nom. Elle n'a pas donné de nom à ses Bigou. Donc, bleu, couleur sable et blanc. Donc, ça ferait vraiment. Où on imagine que c'est un coquillage, où on se croit au bord de la mer avec le sable et les dunes. Hein. Ou l'écume de la mer et les dunes. Je ne sais pas comment elle l'a pensé, mais voilà ce que ça fait penser. Donc, celui-ci. Et j'ai pris aussi, alors si j'ai l'étiquette, oui, j'ai l'étiquette, couleur abricot, la miel de chez Linden. Alors ça, c'est de la laine que j'ai eue en Espagne grâce à Sabrina Choupi. Je te remercie encore, Sabrina, parce que ben, moi, je connaissais rien en Espagne. Et du coup, comme je sais que voilà, elle a des origines espagnoles et qu'elle parle espagnol et tout, je dis, tu connais pas des endroits voilà, je suis. J'étais à Saint, j'étais vraiment à ras de la frontière espagnole. Et je dis, voilà, il y a Barcelone, tout ça, on aimerait bien y faire un tour. Ah, ben, elle me dit, là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, elle m'a donné des bonnes adresses. Bon, après, on est arrivé au mois d'août. Donc, il y avait certaines adresses qui étaient vraiment fermées. Donc, ils étaient en vacances. Mais bon, je suis tombée sur une qui n'était pas en vacances, qui ouvrait à 16h. Alors oui, en Espagne, les magasins, ils rouvrent qu'à 16h. Donc, j'ai fait marcher ma petite famille. Ils ont eu les pieds brûlés tellement je les ai fait marcher, les pauvres. Mais bon, j'ai eu ma laine quand même. Voilà. Donc, merci Sabrina, parce que bah, du coup, c'est mon petit souvenir d'Espagne. Donc, en plus, la mer, voilà, l'Espagne. Et je vous montre le début. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on regarde le patron, on a l'impression que c'est de la brioche, mais non. Ou des côtes anglaises, si vous voulez plus. C'est des mailles torses en droit envers. Bon, et c'est super extensible. Hein. Voilà, ça va vraiment donner. Donc voilà ce que donne le bigou à teinture à laine. Chouette. Et une jolie dentelle. Je vais vous montrer le début. Voilà. Une jolie dentelle qu'on répète sur 5 sections. Et ça, 5 sections. Donc là, et à chaque fois, on a une transition. On a une transition de la même couleur pour repartir. Ben là, je vais me faire des côtes torses en fait. Donc, il est pour juin. Donc, voilà, il n'y a pas trop d'urgence non plus. On est au mois d'avril. Donc, je me dis une petite section de temps en temps. C'est sympa. Oui, alors, je vais vous montrer comment ils sont les bigous quand vous les voyez chez Teinture à laine. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, pour aller dans les châles, c'est peps, c'est super. Ça me va bien. Ou pas, je m'en fous. J'adore. Voilà, donc vous voyez, il est présenté comme ça, et au final, voilà. Je ne sais pas si j'ai encore une photo du bigou. J'avais demandé aux copines justement de choisir un petit peu, si j'avais du mal à choisir mon combo pour faire ce magnifique châle. Et du coup, c'est vrai que j'en lisais, elle me dit, mais attends, t'es pile poil dans le nom du modèle, quoi. Coquillage, bord de mer et tout, c'est nickel avec le châle. J'ai dit, hop, on est parti là-dessus. Donc voilà, celui-là, il va suivre son cours tranquillement. Je vous montrerai son évolution quand il sera en évolution. Je vais essayer de m'imposer quand même des jours pour telle chose, telle chose, telle chose. Je pense que ça avancera plus vite que de. Ouais, je pense. J'ai quelques chaussettes à finir quand même, numéro 2. Mais bon, j'en ai déjà fait une de chaque. Donc, ils ont tous le métrage. La deuxième, elle attend. Je peux faire quand même une photo avec une chaussette. Hein. Alors, dernier test, vous l'avez vu passer aussi, c'est de Folie Ordinaire, Papoua, un petit gilet. Je vais vous montrer un petit gilet crop. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. J'essaierai de mettre la photo. Si je ne vous mets pas les photos, c'est parce que j'ai vraiment envie que le journal passe pour aujourd'hui. Donc, voilà, si je fais des recherches et tout, ça va être un peu. Mais bon. Au cas où, je vous l'ai montré sur la tablette. Et puis, de toute façon, il sortira que pour mi. Donc, Papoua, c'est un petit gilet crop pour mettre vraiment au-dessus des robes ou alors un pantalon très taille haute ou une jupe. Hein, enfin, bref, comme vous voulez en fait. Hein. Moi, je sais qu'il va descendre un petit peu. Je vais le faire descendre quand même pile sans les côtes, à ras du bouton de jean et un peu les côtes. J'aime pas trop qu'on voit mon ventre. Donc, voilà, j'étais maman de 4 enfants. Donc. Il y a des complexes et j'en ai, comme tout le monde. Donc voilà. Alors, vous avez vu il y a 15 jours que je prenais cette laine-là pour un autre test qui, pour moi, je l'ai annulé parce que j'étais pas en forme et j'étais pas dans la compréhension du patron.
c'est moi. C'est pas la personne. Rien du tout. C'est moi. J'étais pas bien. J'étais fatiguée. Mes migraines. Donc, n'étant pas dans la bonne compréhension et dans le bon mood du test, j'ai préféré arrêter. Donc, comme c'était 2 jours, on ne m'en a pas tenu rigueur. Enfin, j'espère. Après, on verra. Mais non, voilà. C'était moi. Donc, du coup, ben, je me resserre de cette laine-là pour faire le papouas. Donc, je prends laine à mourir, des cas, de la tendresse en bouton. Alors, moi, je l'ai eu en destache. Je ne me rappelle plus chez qui. Mais voilà, je l'ai eu en destache parce que ben, c'est pas donné. Donc, je l'avais eu en destache. Et du coup, ben, j'ai changé de test. Bon, ouais. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc, hier, j'ai tricoté celui-là en voiture. Fallait que c'est plus facile de discuter et faire du jersey hein, que de la dentelle. Donc, on commence par le dos. Il y a une méthode de raccourci. On relève les mailles de chaque côté. Donc, un coup à droite, un coup à gauche. Quelques rangs raccourcis. On fait des augmentations parce qu'il va y avoir un col arrondi. Et puis après, il y aura la bande de boutonnage. On rassemble tout le monde. Et on fait des allers-retours sur une bonne vingtaine de centimètres. On fait les côtes, les manches, et ainsi de suite. Alors moi, je me suis dit, je vais déjà finir celui-là. Je vais faire les manches, parce que j'aime bien les manches qui arrivent là. Hein. J'aime pas quand ça remonte de trop. Donc, il faut vraiment qu'elles arrivent en dessous de l'os, moi. Hein. Voilà. Je vais faire les manches, puis je verrai ce qui reste, et voilà. Donc, il me reste quand même pas mal. Ça se déroule bien, hein, ça va bien. Donc ça, c'est vraiment le petit gilet, vous voyez, des petites nuances de rose bouton. Alors moi, je le tricote en 4. Je tricote en 4. Et 22 mailles pour 4,5 chez Folie Ordinaire. Et moi, je les ai en 4, je les ai pas en 4,5. Bon, après, je suis très lâche du tricot. Hein, donc, je suis très détendue du tricot. Moi, le tricot, ça me détend. Donc, évidemment, ma maille est détendue. Je ne suis pas... Moi, je vois ma copine qui tricote, qui a des mailles dans le tricot. Elle est très, 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 très crispée quand elle fait les mailles. Donc, évidemment, elle, ben, ça tombe dans les bons échantillons des designers qui sont crispés. Moi, perso, je suis très, très... détendue. Autant que je suis speed et énervée dans la vraie vie pour plein de choses, du travail et machin, que le tricot, moi, ça me détend. Donc, je suis détendue de la maille. Donc, voilà, un petit gilet qui suit son cours. Donc, si je me lève quand même, bon, on va dire que l'épaule est là. Hein, voilà. J'ai encore pas mal à faire. Mais bon, c'est du jersey dans la voiture. Je vais garder dans la voiture celui-là. Et puis, ben, un rond par-ci, un rond par-là. J'attends l'orthophoniste. Je fais 2-3 ronds. J'ai regardé en une demi-heure. J'avais fait 4-5 rangs. Bon, entre deux coups de téléphone et de message. Donc, voilà. On est bien, hein ? Vous avez vu ? C'est pas mal en test. Alors, j'en ai trois autres qui m'attendent. Il y en a un qui va arriver, c'est en jacquard. Oh, c'est trop mignon. C'est de Julia, dessine-moi un mouton. Alors, je suis trop contente. Merci Julia de m'avoir accepté. Alors, dans la Chocroix, je le fais avec Sabrina Choupi et des mailles aventurières. Je vous montrerai quand ce sera... je pense pas que c'est secret, elle l'a déjà... Elle a déjà mis un peu sur ses pages. Oh, mais c'est trop chou. Et puis en plus, je sais déjà où je vais faire les photos. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, je me vois tout de suite. Je sais où je vais faire les photos. Donc, tout ça, vous allez voir ça. Ça va être trop bien. Donc là, il travaille. Elle retravaille fortement sur le patron. Pour vraiment que... C'est un jacquard. Donc, il faut vraiment que ça se voie bien et tout. Donc, elle travaille sur le patron. On va... D'ici peu, on va s'y mettre. Je vais déjà bobiner. J'ai déjà mes couleurs. Donc, je vais les bobiner. Et après, j'ai encore... ça, je vous en parlerai quand ce sera sûr. Mais j'ai... Enfin, c'est sûr pour moi. Mais quand elle aura décidé de faire le test, j'en parlerai à ce moment-là. Mais j'ai ma place. Et test chaussettes et test châle. Voilà. Oh, j'ai du boulot. J'ai du boulot. Mais c'est du bon boulot. C'est du boulot qui me fait du bien et qui me détend. Voilà. Donc hier, je vous disais... d'ailleurs, on va en parler puisque je vous ai dit que toutes les semaines, normalement, donc la semaine dernière, j'aurais dû vous donner
J'aurais dû vous donner les noms des gens qui, des personnes, des teinturières et tout ça qui viendraient à l'aide en or. Et puis, ben, j'étais pas là, hein, donc voilà. Donc, l'aide en or, vous voyez, donc. Le samedi, c'est de 10h jusqu'à 18h30. Et le dimanche, ce sera un peu plus tôt parce qu'on sait qu'il y a la fête des mamans. Hein, et donc, si ceux qui veulent venir le matin avant, dans le secteur et qui veulent venir le matin avant d'aller fêter la fête des mamans ou aller à un restaurant ou autre chose, ce sera 9h30 à 17h. Voilà. L'entrée est 2€ pour la journée ou 3€ pour les deux jours. Gratuit pour les moins de 16 ans. OK ? Voilà. Donc vous aurez des designers, des livres, des accessoires, de la laine. Et ça, vous trouverez fréquemment sur votre route pour vous guider. Voilà, voilà, laine en or. Alors, à laine en or, je vous avais déjà présenté les 5 premières. Je vais vous présenter les 5 suivantes. Nous avons Garance et compagnie. Karine, voilà, des couleurs... au début, elle avait des couleurs très, très douces, très... Maintenant, elle commence à aller dans les petites choses sympathiques que j'aime bien. Hein. Vous voyez, ces boxes, là, elles sont super sympas. Donc, voir si elle a fait une petite nouveauté à laine en or. Je ne sais pas du tout. Je pense que oui, elle a des idées, là, qu'elle doit bien travailler. Elle doit avoir un peu beaucoup de pression. Elle n'a pas que le salon, là, donc à faire. Donc, je pense que voilà. Mais c'est laine de Garance, c'est quelque chose. Ivy Créa, donc Sylvie, en parlant d'Ivy Créa, si vous allez sur sa chaîne YouTube, elle vous explique la brioche avec les points en anglais. Voilà, les abréviations anglaises. Moi, sur les vidéos, je vous ai dit d'aller voir au niveau de la brioche de Laetitia, même les anges tricotes, c'est en français. Donc, vous avez ces abréviations françaises. Parce qu'il peut arriver que sur des patrons, vous avez les abréviations, même les françaises, mettent les abréviations en anglais. Donc, si vous regardez la vidéo de Même les anges tricotent, ben, vous ne comprendrez pas spécialement le patron. Que Evie, donc Sylvie, a fait un super, super tuto avec toutes les abréviations anglaises pour la brioche. En sachant que si vous allez dans sa barre de description, vous avez sur chaque abréviation à quel temps vous pouvez aller sur la vidéo. Voilà, donc Ivy Créa, qui est designeuse et qui file de la laine aussi et qui teint un peu de laine aussi. Voilà. La fabrique de Poveda, donc teinture naturelle, il me semble. Nous aurons la Féfine, qui va bientôt, malheureusement pour nous, mais très heureusement pour elle, puisqu'apparemment elle a trouvé sa voie dans les montagnes, donc qui arrêtera, donc je pense que c'est ses derniers salons. Le fil de Sidonie, et nous avons le jardin des fibres, qui fait de magnifiques laines aussi, et de coloris. Ça pète. Moi j'adore. Voilà, c'est des personnes adorables. Ben voilà, donc je vous mettrai les 5 là. De toute façon, ils sont tellement connus que voilà, vous pourriez. Il y a certains youtubeurs qui feront des concours, donc allez profiter, allez jouer avec eux et tout ça. Donc je vous le dis, hein. Après, je vous donne pas les noms. Vous verrez bien, mais ça va défiler hein, sur Instagram et sur plein de choses. Donc voilà, vous aurez quelques youtubeurs et youtubeuses qui vous offriront quelque chose par rapport à laine en or. Tirage au sort. Voilà, à peu près. En gros. Donc voilà, hier, je ne pouvais pas tourner non plus. J'espère vous voir. Moi, j'y suis, je vous ai dit, j'y suis le samedi et j'y reste le dimanche. Jusqu'à 10h30, parce qu'après, il faut que je rentre, et comme il y a quand même plus de 2 heures de route pour moi, il faut que je sois là midi. Donc voilà. Mais vous pouvez me voir. Donc le samedi matin, en plus, c'est moi qui vous accueille. C'est parfait. Alors, des achats. Ben oui, j'en ai encore fait. Ben oui. Quand on va à laine en or, enfin, quand on va avec une petite. Une des copines qui est teinturière, ben, on lui prend de la laine, n'est-ce pas?
Donc voilà. Mais moi, celle-là, j'avais déjà dit que de toute façon, je sais qu'elle est, elle est en or. Donc, j'avais déjà dit que je lui en reprendrais parce que j'avais fait le châle du style knitting inséparable avec cette couleur-là. Et je m'étais dit, j'adore ce violet, j'aimerais bien me faire un gilet et tout. Donc, du coup, je lui ai demandé et je lui ai repris chez Polden son violet. Alors, c'est le poinçonneur des lilas. Oui, alors parce que Muriel, elle met des titres de chansons pour Célène. Voilà, si vous ne savez pas trop. Le poinçonneur des lilas, donc c'est un BFL, 100% BFL. Il est beau, hein. Ouais, plus là. Voilà. Donc, ah oui, puis j'ai ma pomme. J'ai pas mangé. Voilà. Donc, je lui ai pris ça. Et il lui restait deux petites décas là dans les. Oh, les pauvres, elles étaient toutes seules. Donc, pareil en BFL, mais des cas. Donc, ça, je ferai ça dans un petit châle ou autre chose. Il y a moyen, hein, j'en ai deux, il y a moyen de faire un petit foulard. Voilà. Je suis parvenue les mains vides. Cindy, ma petite laine, vous savez qu'elle ferme. Hein, elle a arrêté, elle arrête son activité. Voilà. Hein, bon, bah, c'est une petite carte qui est très jolie. Donc voilà, Cindy, ma petite laine. Donc avec un petit sachet de thé. J'aime bien les petits sachets comme ça, moi, avec les étiquettes. Donc elle arrête et moi j'aime bien ce qu'elle fait. Alors j'avais arrêté un petit peu chez elle. Voilà, pour connaître d'autres teinturières et tout. Et du fait qu'elle elle arrête, j'ai commandé un petit peu. Pas grand chose, hein, j'avoue, mais c'était juste pour. Puis en plus, les étiquettes, elles les avaient changées. Je n'ai pas eu ce packaging là d'étiquettes. Moi, j'en ai des. J'ai des fits, enfin, bref, des laines à chaussettes auto-rayantes. Ça ira mieux comme ça. L'étiquette, c'est vraiment des anciennes de 2018. Donc voilà. Donc oui, du coup j'ai acheté deux trois bricoles parce que j'aimerais bien regarder un petit souvenir quand même. Alors j'ai pris ton premier souffle, Clémence Lace, 75% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire dans ton premier souffle. C'est très joli. Hein. Donc ça va partir dans des châles mais très très multicolores ou. Voilà, c'est sûr que c'est pour des châles, hein. C'est pas pour des chaussettes. Hein. Dans la même gamme, lace. Alors donc du coup, c'est 800 mètres pour 100 grammes. Et là, j'ai 50 grammes, je crois. C'est ça? 100 grammes égale 800 mètres. Mais là, elle dit pas. Non, c'est pas 100 grammes, là. Ça doit être 50 grammes. Hein. Ouais, ça doit être 50 grammes. Ouais, je pense. Bref. Pivoine, oui, les deux là. J'ai bien assez hein, pour faire un petit foulard bicolore. Donc j'ai pris ça. Je lui ai pris un écheveau de Blue Moon. Ouais, 100 grammes, 400 mètres. Très joli. Pareil, c'est pour faire un châle, lequel je ne sais pas encore. Et Obsession. Dans sa catégorie bohème. Alors bohème, c'est 170 grammes, 70% mérino superwash, 20% de soie, 10% de cachemire. Et là aussi. Et les deux ensemble, je trouve qu'ils sont sublimes. J'avais pas envie d'une quantité pull, j'avais envie d'une petite quantité châle. Alors, vous voyez, on peut mettre ces deux-là ensemble. Enfin. Voilà. Ou vraiment trouver un combo avec les quatre. Enfin voilà. Pour une brioche, par exemple. Bon, après, c'est leur choix. Hein. Elles arrêtent. Enfin voilà, on va pas leur les supplier, malheureusement, même si elles font des bonnes couleurs. Je pense que voilà, elles ont fait leur. Leur expérience, ça leur a plu. Bon, ben, alors après, elles arrêtent. Elles arrêtent. C'est comme ça. C'est tout. Alors, ben, c'est des trésors hein, quand on les a, hein, évidemment. Et j'ai commandé ma petite box de Lendemount.
Catherine, avec son petit sac, c'est un petit sac de, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait d'ailleurs. Moi, je suis vraiment un poisson, poisson rouge, avec un kit à chaussettes, des petits, un petit marqueur de maille, un petit marqueur de maille, des arènes maille, donc un petit marqueur de maille. C'est vraiment printemps, donc ça rappelle quand même le petit pochon, qui est super beau et très très bien cousu. Donc, les petits... Alors, je suis pas fan de ceux-là. Moi, je trouve que sur une aiguille, même à chaussettes, ça colle pas. Enfin, moi, ils tiennent pas. Je le dirai quand je verrai Catherine, un salon quelconque. Mais regardez. Ah! Vous voyez? Ça tient pas? Ça. Allez, hop! Ça, donc, c'est pas fait pour les aiguilles à chaussettes. Je dirais. Je sais pas si elle a essayé elle-même. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Je pense que, regardez, sur les quatre, c'est déjà mieux. Mais bon. Je sais pas, voilà. Personnellement, je les trouve pas esthétiques, pas pratiques. Parce que là, ben voilà, la bouboule tranquille. Ou alors les autres, hein, avec des formes de dessin qu'on trouve un peu partout. Ben, bref, c'est pas grave. Je m'en servirai quand même. Ah, mais j'ai mis où mon petit sachet? Serait-il tombé? Non. Voilà. Donc il est là. Donc un petit marqueur qui est très sympa. Hein, voilà. Il ressemble fort à une qui faisait des pâtes, qui arrivait à faire des traductions de patrons anglais, français. Elle faisait beaucoup de marqueurs comme ça, à l'ancienne. Bref. Et du coup, il est super hein, le pochon. Regardez même l'intérieur, ça fait vert printemps et tout. Ouais, j'adore. Et puis très pratique, hein, tout petit, la forme du, ça fait un peu fou, c'est sympa, j'aime bien. Et voilà le kit chaussette de la fleur au pied. Voilà, je vais de l'ouvrir là, parce que franchement à l'intérieur vous avez, regardez. Comme c'est beau, le beau vert. Et j'ai vu qu'il y avait un modèle là avec des pensées, là, des chaussettes avec des pensées. Voilà, c'est trop beau. Bon, c'est du jacquard, puis multicolore. Alors je pense que mon portable a fait installation du système. Donc ça a coupé la première vidéo. Donc je reviens vers vous en vous disant que j'étais sur l'achat de laine de mout et que j'avais vu sur internet, sur Instagram, des chaussettes. Avec des fleurs, c'était des petites pensées. Mais j'étais en train de vous dire qu'à mon avis, il y avait beaucoup de fils à rentrer. Donc du coup, vous aurez un petit bout de la fin de la vidéo. Voilà. Désolée, j'ai eu un bug installation du système. Et du coup, ça a coupé ma vidéo. Donc là, vous allez avoir quelques minutes pour fin de vidéo. Donc voilà. Que vous dire de plus? Ben, pas grand chose. Alors franchement, on va vraiment avoir un tout petit bout de rien du tout. Là, ça m'embête. Mais bon, tant pis. Hein, vous prenez la vidéo comme elle vient. Le concours que j'avais fait, je crois que Patricia a dû recevoir. Elle ne m'a pas envoyé de message, mais je lui avais envoyé son colis jeudi. Donc j'espère que tu l'as réceptionné à l'heure où je te parle là. Autrement tu l'auras lundi, je pense. Hein, mais je l'ai envoyé jeudi matin de bonne heure, donc normalement ça partait la levée chez nous à la poste et à 9h30, 10h à peu près, donc normalement tu aurais dû le recevoir. Quant au patron Ravelry, je l'ai bien envoyé à la personne qui apparemment va lui faire un gros challenge, puisqu'elle n'a jamais fait de mosaïque et qu'elle n'a jamais fait de brioche de sa vie. Alors c'est pas de la grande brioche, hein, enfin je pense pas. En plus c'est Yarnflex, et chez Yarnflex je sais que c'est très 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 bien expliqué, pour avoir testé pour elle une paire de patrons en pull et tout ça. Alors moi je ne teste plus trop pour Yarnflex parce que les modèles
ma morphologie sur ces modèles, ben, suivant l'âge, ne me conviennent plus. J'adore ce qu'elle fait, mais malheureusement, ça ne me convient plus par rapport à mon corps, donc, parce qu'elle est plus fine, hein, donc voilà. Et moi, je sais que ça, c'est trop court, et comme c'est un test, ben, c'est compliqué. Donc, je lui ai offert le dernier châle qu'elle a créé. Donc, il y a un point texturé, il y a de la mosaïque et il y a de la brioche. Voilà, elle m'avait dit, oh mais non, tu choisis le cadeau, je n'ai pas spécialement de choix, voilà, donc elle avait une belle wishlist et tout, mais je trouve, enfin, je me pas. Enfin, ben, j'ai le droit aussi de choisir ce que j'aime bien, hein. Je vais faire le châle, mais elle est très contente. Elle me dit au contraire, ça va me challenger, donc j'espère le voir bientôt sur tes aiguilles. Et que tu réussiras, et si tu n'arrives pas à la brioche, et si c'est l'été, alors je n'ai pas regardé le patron de l'RNFS, puisque je te l'ai offert à toi, je ne me suis pas encore payé pour moi, mais je le prendrai. Je pense que si c'est la version abréviation en anglais, je te conseille d'aller voir le vlog, la dernière vidéo tuto de Yvie Créa Sylvie sur YouTube. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Et si c'est des abréviations en français pour la brioche, je t'envoie directement chez Même les Anges Tricotes. Et tu sauras faire de la brioche. Alors, je te conseille de le faire sur un petit échantillon au début, avec même les augmentations et les diminutions. Et je te promets, hein, tu vas y arriver et tu vas kiffer. Hein. Voilà. Donc, ben, tout le monde a reçu. Prochain concours, ben ouais, je vous le dis. Alors, concours, non. Petit cadeau offert par ma pomme. Ce sera 1000 abonnés. Voilà. Quoi, je ne sais pas encore, mais plus le compteur monte, je sais que comme je vais aller à l'Aisne en Or et tout ça, je vais pouvoir vous trouver des petites choses sympathiques. Voilà. Donc, bah, du coup, voilà, on est à 4 minutes, enfin, et quelques, 5 minutes et quelques. Oh, ça m'embête d'avoir que la vidéo s'est coupée comme ça. Le châle qu'on doit faire avec Miss Knitter. Ben moi elle n'avance pas et elle non plus hein. Donc bon, elle prend tellement de tests, elle fait tellement de choses aussi, de magnifiques choses, et puis je crois qu'elle fait des samples là pour une teinturière, donc voilà, mais elle pense à moi, je sais qu'elle pense à moi, moi aussi je pense à elle, mais voilà, ça, on est toutes les deux des testeuses et on adore ça malgré qu'on a des projets perso. Bon, ben c'est tout, hein. Prendra le temps que ça prendra et on vous montrera au moment où on sera vraiment prête. Je sais pas, on verra. Bon. Question podcast, qu'est-ce que j'ai regardé? Alors là, il y a deux demoiselles qui m'attendent là en bas, parce que je suis en retard. J'en ai deux à regarder. Alors moi, je regarde que ces podcasts, hein, ces vlogs. Hein. Je ne regarde pas les... la présentation des pulls complets, vous savez, elle fait des petites vidéos attitrées à chaque modèle qui est sorti. Perso, je ne le regarde pas parce que comme elle le dit fortement et longtemps dans ses vlogs, ça me suffit. Mais je regarde ses vlogs. Je regarde Sylvie Letter, donc c'est Spring Vlog que j'aime beaucoup. C'est une personne que j'aime beaucoup. Puis elle n'est pas loin de chez moi, hein, elle est sur Metz, donc voilà. Qui c'est que j'ai regardé encore je sais que elle fait beaucoup de chaussettes, elle a un petit chien adorable et tout, je teste pour elle, en plus j'ai testé pour elle une paire de fois. Ah mais mince, vous allez me le dire vous, hein. Enfin bref, elle est en Guadeloupe et elle va revenir. Donc Lisandre, pardon, excuse-moi d'écorcher ton nom. Lisandre, je sais qu'elle doit faire une vidéo qui doit sortir là. Donc je pense que c'est aujourd'hui ou demain, je verrai bien. Donc je vais la regarder aussi. Ève, il me reste un épisode, je suis en retard. Loli Pelote, j'ai tout fait, je me suis rattrapée, c'est nickel. Je dois regarder Rêver sa vie en couleur de Christelle. Les deux Christelle, en fait, je vais regarder. Hein, Démaillez-moi, puisqu'elle sort le dimanche. Et Christelle avait sa vie en couleur qui sort le vendredi. Mais comme j'ai été absente encore tout le week-end, je pense que ce sera pour demain.
Parce que je ne peux pas embêter tous les dimanches ma petite famille à regarder les podcasts. Hein. Même si ma Didi, elle adore Christelle et le demoiselle, je ne peux pas embêter tous les deux minutes mon fils et mon mari. Ils aiment aussi regarder la télé. Hein, donc voilà. Donc c'est pas grave, je regarderai lundi puisque lundi je suis en repos. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai regardé. Mr Nitin, je l'ai déjà regardé, son deuxième épisode, je l'ai regardé, donc voilà, il n'en a pas fait d'autres, je pense pas, je n'ai pas vu. Non, j'en ai pas vu. La Miss Nitter, dès qu'elle sort, ben, je la regarde, évidemment. Je suis un peu en retard, hein, et puis ben, voilà, les Spring Vlog me prend un peu. Ça prend un peu de cours, c'est le premier truc que je regarde, donc ben bon, c'est une demi-heure, mais c'est une demi-heure quand même de temps, donc ben, c'est ce que je ne regarde pas sur d'autres, d'autres filles. Voilà, non, je crois que j'ai fait le tour. Si je me rappelle de ce que j'ai regardé, de toute façon, je vous mets leur pseudo dans la barre de description avec l'arrobase. Normalement, si vous cliquez dessus, alors. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, parce qu'elles n'ont pas l'air de recevoir la notification comme quoi je les regarde. C'est bizarre, parce que moi, quand on parle de moi et qu'on me notifie sur YouTube, je reçois « Vous avez été identifié ». Alors, est-ce que ça marche et qu'elles bon, bah, passent dessus et puis, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Donc, mais normalement, si vous cliquez sur le prénom de la personne que je vous ai mis avec le lien son lien YouTube et sur l'arrobase. Donc normalement vous devriez arriver sur sa chaîne. Voilà. Ouh, on est dimanche, hein, le cerveau il est ramomo. Voilà. Donc je vous souhaite un agréable dimanche si vous me regardez aujourd'hui ou aujourd'hui. Puisque c'est dimanche. Sinon, ben, une belle fin de journée, en famille, entre amis, avec vos aiguilles et tout ça. Profitez de votre journée de dimanche. Merci encore d'avoir partagé ben, les vidéos, de me laisser des commentaires, mettre des pouces en l'air. C'est toujours agréable. Et n'hésitez pas à partager sur Instagram, partager partout. Plus vous partagerez, plus il y aura du monde, plus je pourrai vous faire des petits cadeaux. Voilà. Bon dimanche à tous et à toutes. Et encore désolé pour la coupure de la vidéo. C'est mon portable. Voilà. Donc je vais installer la mise à jour. Bonne journée, bon dimanche. À la semaine prochaine.